Et coucou mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle qui, j'espère, sera aussi belle que les signes que je viens de faire. Je vous invite aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, les amis, afin d'avoir encore plus de complémentarité dans vos tirages. D'accord? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionnent ces tirages, trimestriel, et bien en fait ici j'ai toutes les cartes que j'avais tirées lors de la guidance 2023 où j'avais parlé de chaque trimestre pour chaque signe, etc. Donc c'est un travail de titan pour moi parce que du coup je suis obligée de tout ressortir, mais c'est pas grave, j'aime vous faire plaisir et ça c'est primordial pour moi. Et vous aviez aimé quand parce qu'au début je les mettais uniquement en extension. Et en fait, j'ai décidé de vous les offrir. Et puis voilà, j'ai vu que ça vous plaisait. Donc, ben, tant mieux. C'est des vidéos qui sont forcément un peu plus longues, d'accord? Mais parce que, ben, y a du coup juillet, août, septembre. Alors, juillet, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Parce que, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, il y a déjà les guidances qui sont sorties pour le mois de juillet depuis un petit moment. Guidance générale et guidance des liens d'âme. Donc, je vais un peu survoler, mais je vais quand même le faire. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui doivent recevoir d'autres messages. Vous savez que même si je refais 30 fois la guidance des balances, il y aura 30 fois des messages différents. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ben, je canalise différemment ce que je reçois. Alors, encore que vous, les balances en général, c'est toujours souvent pareil parce que j'ai l'impression que j'ai des personnes qui ne veulent pas voir ce qu'il en est. Mais bon, ici, j'ai l'impression que ça a l'air plutôt pas trop mal, hein. Hormis là, mais on va aller voir. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous demande, ce qui vous est envoyé comme message, d'accord? Voilà, donc tous les oracles et tarots qui sont utilisés sont en description, donc n'hésitez pas, si vous voulez les commander, à aller voir comment faire et où, comment ils s'appellent, où les trouver, etc. Et je remercie mes partenaires, bien sûr, pour tout ça. Allez, on y va sans plus attendre. Alors, pour les énergies de ce trimestre général, qu'est-ce que nous avons? On a ici cet œil, sans nom, sans rien, de l'oracle du troisième œil, qui nous parle ici d'un grand oui, qui nous dit que si vous vous posez une question, on vous dit la réponse est positive, d'accord? Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous pour ce trimestre. J'ai envie de dire, tant mieux pour vous, parce que vous avez galéré quand même un paquet de mois, j'ai l'impression, les balances. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais... Voilà, on vous dit ici que vous reprenez un petit peu du poil de la bête. Vous avez envie d'aller vers vos désirs. Ici, on est vraiment dans la force, dans le pouvoir. On reprend son pouvoir. On reprend sa force. Vous commencez avec deux as, les amis. C'est pas rien quand même. Hein, c'est pas rien. Ici, on est dans tout ce qui est intelligence, compréhension, d'accord, communication, d'accord, ce qui nous appartient, de pouvoir exprimer comme l'on veut et ce que l'on veut avec l'as de feu et l'as de l'air. D'accord? Ici, on est vraiment dans... comment je pourrais dire? On vous invite à aiguiser un petit peu votre visualisation des choses. D'accord? Vous êtes dans... voilà. Maintenant, je passe à l'action. Je passe à l'action. J'ai envie de me réaliser. J'ai vraiment envie de ça. D'accord? Ici, ça peut nous parler d'un cadeau qui arrive pour vous. C'est beau quand même, avec le grand oracle ici. Un cadeau, un événement, peut-être quelque chose. Un événement qui va vous faire tilt. Peut-être que vous allez être invité à un événement. Peut-être que vous allez participer à un événement qui va faire que vous allez vous révéler. Ça, c'est possible aussi. Ici, vous allez voir, suite à tout ça, les choses avec une nouvelle perspective de vie. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous allez le voir différemment. Vous allez comprendre que tout ceci était des expériences. D'accord? Vous allez voir que tout ce que vous avez fait, de vous taire, de faire semblant de ne rien voir, de ne rien dire, ça ne va pas vous correspondre. Ici, attention à ne pas retomber dans ces travers-là aussi. On nous parle aussi de mal-être, de santé physique, d'accord? De santé physique possible. Faire attention à vous, à votre corps, de vous écouter. Arrêtez de passer après les autres. Écoutez-vous, entendez-vous, ouvrez les yeux sur vous. D'accord? Votre corps a besoin de vous.
N'oubliez pas, même quand on est dans le spirituel, parce qu'on a pas mal de gens qui nous suivent qui sont dans la spiritualité, on est avant tout des êtres humains. N'oublions pas que notre corps physique, c'est notre moteur, d'accord? C'est celui qui nous transporte. Donc, on a besoin de ce corps physique en bonne santé. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas avancer ni spirituellement, ni rien du tout. Ici, on voit qu'il y a le foyer. On a envie de construire quelque chose. On a envie d'équilibrer. On a envie de structurer. On a envie que les choses soient carrées. D'accord? Voilà un petit peu les énergies. Moi, j'ai l'impression que vous allez vers la nouvelle structure de votre vie. Voilà. J'ai vraiment ça qui ressort. J'ai vraiment cette énergie de... ça y est, je dis oui à ma propre vie. Je veux aller vers mes envies, vers mes désirs, vers... Mais c'est ce qui ressort hein, dans les autres signes que je viens de faire, c'est exactement ça. J'ai l'impression que juillet, août, septembre vont être vraiment une énergie de renouveau pour pas mal d'entre vous. Ok. Alors, pour juillet, on avait eu, avec l'oracle au fil d'Ariane ici, on avait eu l'apaisement. D'accord ? On voit bien que vous avez besoin d'apaisement, vous avez besoin de tout ça et de transmutation avec l'oracle des sept flammes sacrées. Ici, on me dit, voilà, pourquoi vous allez être apaisé? Parce que vous allez transmuter, parce que vous avez envie de ce changement. Vous allez comprendre qu'il y a autre chose qui vous attend de bien mieux que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Voilà. Le renouveau, le fou, le mât. Ici, on nous dit que vous avez envie de ce renouveau, vraiment. Je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Vous avez envie d'une nouvelle vie. Vous avez envie de vous réaliser, vraiment. De sauter, peu importe ce qu'il y aura derrière. Voilà, vous allez le faire et puis vous verrez bien. C'est vraiment cette énergie-là. On met fin à ce que l'on ne veut plus. Professionnellement, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Parce que... Parce qu'ici, vous avez envie de quelque chose de plus connecté à vous. Vous avez envie de vous canaliser, d'être connecté à votre propre énergie. Professionnellement, matériellement, juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec le tarot hérisson. Ouais. Vous avez que de la nouveauté, que des chevaliers, des pages. En fait, vous avez envie de reconstruire votre vie. Vous avez presque tous les éléments ici. L'épée, le bâton, la coupe. Lui, c'est celui qui est inspiré. D'accord? Lui va vous donner l'inspiration professionnelle. C'est celui qui a envie de s'épanouir. C'est celui qui va lancer la graine du projet, de la nouveauté. D'accord? Et ensuite, lui, il fonce. Lui, il va pour se réaliser en tant que héros, quoi. Tu vois, lui, il passe à l'action. Lui passe à l'action, on a celui qui est doux ici, hein, qui a la douceur. En fait, j'ai l'impression que dans ta vie, tu as envie d'équilibrer les choses dans ta vie professionnelle. Tu en as marre des coups tordus. Il y a des gens dans ta vie professionnelle qui te font des coups tordus ici. Ouais. Tu as envie de te réaliser avec tes émotions. Tu as envie de montrer qui tu es. Tu as la victoire. Hein. Tu as la victoire, tu vas te réaliser. Hein. Mais pour ça, il faut oser. Il faut oser passer à l'action, ici. Juillet, ça c'est juillet, donc n'hésite pas. Vas-y, fonce. Waouh, juillet, ici on a l'engagement. L'engagement, la structure. Ça peut être une fête aussi. Hein. La fête qu'on a vue ici, elle est là, dans ta vie affective. Ça peut être familial, ça peut être un anniversaire, un mariage, une célébration... ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah elle est tombée. Bougez pas, je reviens. En fait ici tu vas avoir ce choix à faire hein, ce choix à faire sur l'engagement. Par rapport à un engagement. Un choix à l'aveugle hein. Hop là, attends, elle est à l'envers celle-là. C'était quoi? On va voir si elle ressort. Complicité. Avec le love blanc et noir, qu'est-ce que j'ai? J'ai le retour. Retour de quelqu'un peut-être dans ta vie, quelqu'un que tu as aimé.
autour d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un avec qui vous allez célébrer. J'ai encore une carte qui est retournée. Voilà. Déménagement. Ouais. On part peut-être pour une région où on était déjà. Mais là aussi encore. Hein. Et regarde. Tout ça pour toi. Tout ça, tout ça. Ouais, une vraie évolution pour toi qui arrive. C'est le bon timing, on te dit pour toi. C'est le bon timing. Il y a une vraie évolution qui arrive sur le plan sentimental, affectif, sur le plan familial, la construction de quelque chose, un nouveau foyer. Tu fais peut-être un retour en arrière par rapport à une situation. Tu pars peut-être d'une situation. Tu as un choix à faire par rapport à un engagement ici. Tu as besoin que ta vie affective, elle évolue. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour tout changer. De toute manière, là, tu as un changement direct. Et avec le choix ici, c'est le choix sur un engagement. Tu vas avoir le choix entre deux personnes, j'ai l'impression. Quelqu'un, ouais, c'est ça. Quelqu'un auquel tu t'attendais pas. Peut-être quelqu'un qui est proche de toi. Un ami ou voilà. C'est une relation qui sera protégée. Hein. C'est quelqu'un qui pourra t'apporter beaucoup de sensualité. Beaucoup de soutien. Ouais. Il y a des secrets. Il y a des secrets sur la famille. Il y a sur ta vie actuelle, il y a des secrets. Et du coup, c'est ça qui va te faire prendre la décision de partir. Tu arrives à la croisée des chemins. C'est ça qui va te faire prendre la décision de partir d'une situation. Là, c'est pour ça que tu as autant de renouveau. Tu as du renouveau matériel, financier. Tu as du renouveau dans ta vie sentimentale. Tu repars à zéro de tout. C'est dingue. Ton tirage, il est dingue, en fait. Un vrai reset. C'est beau. Travail intérieur. Ouais. Tu as besoin peut-être de renouer, que des gens t'aident. C'est possible aussi. Tu as besoin de créer matériellement, toi. Tu as besoin de... En fait, ton équilibre, il sera professionnel. Ton équilibre, c'est de te réaliser ici professionnellement. C'est un travail d'équipe. Tu ne feras pas quelque chose toute seule. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui t'aide, parce qu'on est dans le travail intérieur. Ça peut être de l'entraide d'un ami, d'une amie. Ouais. Qui te dit, arrête, arrête de réfléchir, arrête de penser au passé. Arrête, fais un choix. Fais un choix dans la vie et redeviens l'impératrice que tu es. Redeviens impératrice ou empereur que tu es. Reprends les rênes de ta vie, là. Il y a quelque chose de magnifique qui vous attend. C'est un truc de fou. Mais, pour ça, mais de toute manière, à chaque fois, ça ressort, ça, les balances dans votre tirage. Vous êtes le seul signe dont je me souviens, parce qu'à chaque fois, j'ai les mêmes messages. C'est qu'en fait, il y a une vie sentimentale à quitter. À chaque fois, j'ai l'impression que ça vous terrorise de quitter cette vie sentimentale-là. Vous le vivez peut-être comme un échec. Ce n'est pas un échec. Au contraire, ce sera le début de votre réussite. Il ne faut pas le vivre comme un échec. Au contraire, regarde la conclusion. Le soleil. Si tu quittes tout ça, tu as le soleil, le succès. Et le monde, l'accomplissement, la transcendance, etc., etc. Avec le mal, tu n'as que des belles cartes. Ok, ça c'était juillet. Allez, on continue. On continue les amis. On va aller voir le mois d'août. Qu'est-ce qu'il vous annonce pour ce mois d'août? Heureux présage. Regarde-moi ça. Heureux présage et l'espoir. C'est le moment. C'est le moment, les amis. Allez, les balances, lancez-vous. N'ayez pas peur, pétard. Vous serez aidés, vous serez accompagnés. Vos guides seront là, vos amis seront là. L'ermite. Ça, c'est votre plus grande peur, de vous retrouver seul dans une grotte. Mais non. En fait, c'est quand on se retrouve seul,
En période d'introspection, qu'on a toutes les réponses. En fait, quand vous allez plonger au fin fond de vous, c'est là où vous allez avoir les réponses de cet ermite. Vous allez avoir la lueur d'espoir qui va arriver. C'est un heureux présage de se retrouver. Vous savez, quand il y a tout qui s'écroule, qu'on se retrouve seul, c'est souvent juste avant notre mission de vie. On a besoin de cet écroulement pour pouvoir se reconstruire. Ça ne m'étonnerait pas si vous avez la tour, vous, à un moment donné, de toute manière. Mais... Allez, vie professionnelle et matérielle pour le mois d'août. Qu'est-ce que j'ai? Vous aussi, Tara. Et plongez-vous. Plongez-vous dans votre enfance. Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant? Pétard, mais vous avez la même carte que... Je ne sais plus quel signe. Le chariot. Foncez vers vos rêves d'enfant. Il y en a, je vous l'ai dit, qui allaient retourner... Je ne sais pas, c'est vous. Je ne sais plus si c'est à vous que j'ai dit que vous risquez de retourner dans votre ville natale ou peut-être... Il y a quelque chose comme ça aussi, hein, dans le passé. Il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé aussi. Hein. Un premier amour, un ami que vous croyez un ami depuis toujours. Et en fait, je ne sais pas moi. Cette personne, elle peut vous aider à vous construire. Là, en tout cas, au mois d'août, j'ai l'impression que vous allez vers un vrai succès professionnel. Hein. Vous mettez les choses en marche au mois d'août pour vous réaliser professionnellement, en tout cas. Il y a vraiment cette fougue là, ça va à toute vitesse avec le chariot. Vous décidez d'avancer beaucoup plus vite. Il y en a trop. Bon, il y en a trop, mais elles sont belles, je vais vous les garder parce que vous avez souvent un jeu un peu pourri et que pour une fois vous avez des belles cartes, je vais vous les garder. Vous avez encore un as. Troisième as, dis donc. Ici, vraiment, on me parle d'intelligence. Vous allez avoir la compréhension. C'est toujours le même. L'as d'air. D'accord? Il y a une vraie compréhension sur votre vie professionnelle. D'un coup, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui vient faire tilt. Mais je pense que c'est parce que vous quittez cette situation toxique, sentimentale ou affective, familiale ou je sais pas, qui fait que, d'un coup, vous allez pouvoir vous réaliser. Regardez-moi ça. Tu veux voir par laquelle commencer? La reine de Pentacle. Elle est là, elle est passionnée, elle est déterminée, tu vois. Elle va vers son indépendance, vers la confiance en elle. Elle le fonce, elle rigole pas. Elle a décidé d'aller là et elle aura ça, quoi. Et elle va rien lâcher. Elle va rien lâcher et elle a raison. Parce qu'on lui dit, regarde, la réussite totale dans sa vie affective, financière, professionnelle, elle va s'épanouir. Et on lui dit avec le soleil... La réussite, le succès, le bonheur, la joie, la positivité. Pourquoi tu veux qu'elle recule? Jamais de la vie. Garde espoir. Garde espoir au représage. Il y a de belles choses qui arrivent. Non, là, il y en a vraiment beaucoup trop. Au niveau affectif, justement, au mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Combien il y en a? 3. Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? On a encore ce choix à faire, hein, toujours, encore, 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 sur cet engagement. Les mêmes cartes qui ressortent. Tu sais pourquoi, hein? Je ne vais pas te faire un dessin. Et là, on peut me parler d'une triangulaire. Hein. Là, on peut me parler d'une triangulaire, les amis. Il y a de la tromperie, là. Faites-vous aider. Faites-vous aider, peut-être. Ça peut être quelqu'un aussi qui prend la décision de trancher. On a la maison. Au mois d'août, s'il vous plaît. Avec l'oracle, love, blanc et noir. Qu'est-ce que j'ai? Il y a un nouvel engagement, un coup de foudre. Engagement. Si vous faites le bon choix, les amis, vous allez vers un vrai engagement, vers peut-être un mariage même. Vers quelqu'un de sincère, quelqu'un rempli de sagesse. On vous dit, fini les disputes, quoi. Pause. Il faut faire une pause. La proposition, c'est faire une pause. Trop d'histoires, trop de commérages, trop de disputes, trop de trop. Vous avez toujours cette belle personne qui est pas loin de vous, là. Pétard. Pétard de pétard.
Vous êtes le signe qui arrivait à me mettre en pétard à chaque guidance, je crois. Allez, mes petits balances, qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, un message sur votre travail intérieur pour le mois d'août. Qu'est-ce que vous avez à travailler, justement? Allez, je vais la chercher, pour pas que ce soit trop long. Hop. Et ben ouais, le choix. Le choix du roi. Le choix de se réaliser matériellement. Là, on est dans du matériel, d'accord? Plutôt. Mais on a un choix à faire. On a des choix de vie à faire ici. En fait, c'est ça le message. Vous avez un choix de vie à faire ici. Vous n'arrivez pas à choisir entre ce rêve qui, pour vous... Vous savez quoi? En fait, j'ai l'impression que vous ne croyez pas assez en vous. Et pourtant, vous avez cette reine de bâton, là. Ayez confiance en vous. Vous allez y arriver. Conclusion. Août. Conclusion. Ça, c'est la carte d'aller vers rayonner, d'être qui on est vraiment, d'enlever les masques. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, son contraire, c'est celle-là. Celle-là, les masques. On me parle aussi d'aller vers ce couple-là. Ce couple heureux. Pas ce couple masqué qui se ment mutuellement. Vous avez autre chose qui vous attend? Ok, allez. On va faire septembre, là, les amis. Septembre. Septembre. Allez. Moment propice. C'est le bon timing, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les blessures d'âme. Eh ouais, ben ouais. Les blessures d'âme. Vous êtes trop dans vos blessures d'âme. Sortez de ces blessures d'âme. Travaillez vos blessures d'âme. Peut-être faites un stage, une formation, je ne sais pas, un séminaire, une retraite pour vous aider. Partez en voyage, sinon... Les amoureux, le choix à faire ou l'unité vers le couple sacré, c'est possible. Ou ça peut nous parler de triangulaire aussi. On va dire qu'on va rester positif et qu'on a envie de croire que c'est l'unité. C'est le moment propice pour aller à la rencontre de cette personne qui a tant à vous offrir. Que vous repoussez hein, à chaque fois, du coup. Laissez-vous aller vers une vie paisible. Laissez-vous être heureux. Encore un as. Vous avez tous eu, je crois. Ah non, il manque l'as de cœur. Ouais, l'as de coupe, pardon, l'as de cœur, n'importe quoi. L'as de pentacle, peut-être qu'il est là, non. Au niveau professionnel, la réussite. La réussite au niveau professionnel, la réussite au niveau financier. Il y a une opportunité à développer, là. C'est en rapport avec vos connaissances, votre intuition. Il y a quelque chose avec ça, les amis. Vous avez des outils en pagaille. Vous avez des outils en pagaille, mais vous avez encore envie d'apprendre. Vous avez encore des choses à apprendre. La grande prêtresse, elle est là pour vous aider à apprendre de nouvelles choses. Cette grande prêtresse, elle est là pour vous emmener de nouveaux outils à mettre dans votre caisse à outils, là. Ouais. Laissez-vous tenter. S'il y a quelque chose qui vous tente ici d'apprendre, laissez-vous tenter ici. On a le diable, là. Le diable ici, c'est... Vous allez être un peu addict à de nouvelles connaissances, peut-être à faire plein de formations. Tiens, elle est là, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui peut t'aider ici. Ça peut être un scorpion. Scorpion, je sais toujours parce que c'est moi, je suis scorpion. Scorpion, poisson, cancer. Ah ben voilà, j'y suis arrivée. Quelqu'un qui peut vous aider ici. Quelqu'un qui peut vous soutenir. Quelqu'un d'aimant. La reine de coupe, c'est celle qui materne un petit peu les autres. C'est celle qui est là et qui apporte beaucoup d'amour, de bienveillance. D'accord? Accordez-vous cet amour. Laissez-vous tenter par ces nouveaux apprentissages qui sont là, qui s'offrent à vous.
Nouvelle vie, hein. Nouvelle vie sur tous les plans. Hein. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? Voilà, vous avez besoin de repos, toujours, encore et encore, repos. Il est là. Ah non, j'ai cru que c'était l'as de coupe. Je me suis trompée. Vous avez besoin de nouvelles vies. Vous avez besoin de joie, de magie. Avec ce page-là de coupe, vous avez besoin d'excitation. Vous avez besoin de rêver. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous fait rêver. Quelqu'un qui vous apporte quelque chose que vous n'avez jamais connu. Vous avez besoin de croire encore que l'amour peut exister. C'est vraiment ça la notion que j'ai. Il y a des nouvelles inattendues qui arrivent. Hein. Vous n'avez que du renouveau. Vous n'avez que des petits, des pages. C'est un truc de fou. Lui, c'est la nouveauté. Toujours pareil, l'optimisme, l'épanouissement, l'inspiration. C'est beau. Et ouais, vous en avez plein le dos là. Vous avez le fardeau. Et en fait, eux sont là pour vous dire, bon allez, maintenant... papy ou mamie là, on laisse tomber tous les bois et on redevient une seconde jeunesse, voilà, c'est vraiment ça. Et on va, qu'est-ce qui te fait vibrer, ils te disent ces petits hérissons là, qu'est-ce qui te fait vibrer, de quoi tu rêverais, dans ta vie sentimentale, de quoi tu rêverais, qu'est-ce que tu aimerais. Et on voit que c'est du repos, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un de fluide, quelqu'un qui vous apporte ce repos, qui vous soutient, quelqu'un qui vous soutient. On me dit, je sais pas si vous êtes plutôt, tiens, le lâcher prise, j'ai l'impression que tu t'es battu pendant longtemps tout seul contre cette relation, pour ta famille. Et là, on te dit lâche prise, hein, c'est bon. Repose-toi, lâche prise, regarde, nouveau projet. Nouveau projet amoureux pour toi. Mais pour ça, il y a la rupture. C'est pas moi qui l'invente. Hein. J'ai beau prendre 50 000 jeux à chaque fois. Ouais, sortez de l'emprise. Sortir de l'emprise. Vous savez quoi? Même le diable ici, dans votre vie professionnelle, c'est cette personne-là qui vous... elle vous prive de tout. Elle vous prive d'amour et elle vous prive de... C'est pas méchant ce que je dis, parce que cette personne est certainement très mal dans sa tête et dans sa vie. Et c'est très triste, mais vous ne pouvez pas continuer à la porter. Vous avez besoin de faire la fête. Vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de retrouver une vie. Ouais. Vous avez besoin de retrouver vos amis. Peut-être que vous avez perdu vos amis pour certains. Vous avez l'impression d'être seul au monde. Et peut-être que vos amis vous ont dit, redit, et qu'en fait, ouais. Il faut arriver à tomber les masques. Hein. Ouais, vous partez. Hein. Déménagement, évolution et le bon timing. Alors qu'on a le moment propice ici. Là, on a le temps. Évolution, déménagement. Il est temps. Moi, je vous le dis encore une dernière fois, voilà, il faut quitter cette situation. Peut-être qu'un jour, vous allez entendre, ou pas, le message. Non. Un message pour la vie en intérieur. Qu'est-ce que vous avez à comprendre pour ce mois de septembre? Ouais. Il faut passer à l'action, là. Dans votre vie intérieure, il est temps de passer à l'action. Vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action. Vous allez vous rebeller. Ça, c'est le rebelle, lui. Lui, c'est l'hérisson rebelle, tu vois. Il y va à fond, les ballons. Et il dit stop maintenant. Stop parce qu'il veut se réaliser. Stop financièrement. Je ne sais pas s'il y a des problèmes d'argent dans votre couple, mais... voilà, vous quittez, hein. Vous quittez, vous barrez ici. Hein. Vous montez sur une barque et vous dites, bon, voilà, tu sais quoi? Moi, je vais vers me réaliser et toi, tu feras ce que tu veux. Et moi, je quitte le port. Voilà ce que vous dites. Conclusion de ce mois de septembre. La roue de fortune, ça y est. Ça y est, le destin, vous allez vers votre destin. Le destin est lancé, le changement est lancé. Et vers quoi vous allez les mois d'après? La lune. Ouh, la lune, j'aime pas. Je vais prendre une autre.
Alors, ça va, l'impératrice. Vous allez reprendre votre féminin sacré, là. Votre côté féminin sacré. Vous accordez plus de douceur, plus d'amour. Vous vous accordez beaucoup plus d'intuition. Vous vous laissez guider par votre intuition. Ça va, j'ai eu peur. J'ai eu peur que vous soyez encore dans l'instabilité. Non, là, vous sortez grâce à l'impératrice. Heureusement qu'on a l'impératrice dessus. D'accord ? Ici, on me dit non. Là, vous vous laissez guider par votre intuition vers ce renouveau. Vous allez vivre une expérience magique. Pour ceux qui vont mettre ça en action, il y a quelque chose de magique qui vous attend. C'est le mot que l'on me dit d'appuyer sur ça, sur la magie de votre vie qui vous attend. Écoutez, j'ai envie de dire, c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous parle, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Pour vous, c'est pas grand chose et moi, ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'aimerais que cette chaîne soit vivante, qu'on puisse échanger. Soutenez-vous. Moi, je réponds à tous les messages. Quand je ne réponds pas, c'est parce que je ne les ai pas vus. Donc, relancez, envoyez-moi encore un message. Des fois, YouTube bloque un peu, mais ça arrive. Mais voilà, n'hésitez pas, d'accord? Vraiment, 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 échangez, partagez, soutenez-vous. Et faites vivre cette chaîne, que ce soit une chaîne de bienveillance, d'amour et de soutien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis bon courage pour ce trimestre. Mais pétard, sautez le pas parce que vraiment, voilà, il n'y a rien d'autre à dire quoi.